Pacifique, le plus vaste océan du globe. 180 millions de kilomètres carrés. Et dans chaque mètre cube d'eau, sur chacun des îlots dispersés dans son immensité, la vie bat son plein. Ses habitants les plus fameux, les requins. Dans les lagons, le plus redouté de tous est le requin-tigre. Même les oiseaux marins, qui semblent hors d'atteinte sur leurs bancs de sable, comptent au nombre de ses victimes. Surtout les jeunes albatros à pieds noirs. À la fin de l'été, après des semaines d'entraînement au sol, c'est l'envol, enfin. Mais, avec ses fameuses ailes de géant, le décollage est pour eux une entreprise difficile et hasardeuse, ce qui arrange bien les requins-tigres. Vision médiocre, évidente maladresse, tout ça détonne avec l'image que l'on a des requins, prédateurs surdoués. C'est pourtant proche de la réalité. La plupart d'entre eux sont des opportunistes qui attaquent à l'aveuglette et réussissent rarement du premier coup. Comme tous les albatros synchronisent leur départ, il y a pendant quelques heures des dizaines d'opportunités à saisir. Il suffit d'être là au bon moment. La sélection naturelle fonctionne depuis toujours selon le même principe. Stimuler l'instinct de survie, donner leur chance aux plus résistants ou aux plus dégourdis. On verra qu'en haute mer aussi, les requins se montrent plus opportunistes que fins stratèges. Et ici, les occasions de festoyer ne manquent pas. De la vie à foison. La faune du Pacifique est la plus riche du monde marin. La plupart des 274 000 espèces recensées dans les océans y sont représentées. Dans cette multitude, chaque prédateur a ses armes et ses procédés. L'intelligence, atout supplémentaire, n'est donnée qu'à certains. À ces dauphins, par exemple, les Turciops. Les inventeurs d'une stratégie subtile pour attaquer les immenses escadrons de carangidés qui croisent dans ces eaux. Les Turciops sont des nomades qui se déplacent en groupes coalisés et organisés. Première phase de l'assaut, l'encerclement. Les dauphins cernent les bancs de poissons pour les forcer à s'agglutiner, à former un essaim de plus en plus dense. Quand ils auront obtenu une masse compacte, ils lanceront la charge. Branle-bas de combat. Ces intrus vont faire échouer leur plan. Ce sont des requins soyeux et ils emploient la méthode classique des opportunistes, arrivés au moment propice pour tirer les marrons du feu. Aucune organisation chez les requins. Les soyeux, comme les autres, ne savent agir que chacun pour soi. C'est donc dans la plus totale anarchie qu'ils foncent dans le tas. Les Turciops abandonnent le champ de bataille. Faire fuir les requins soyeux serait une dépense d'énergie inutile alors que partout les proies abondent. À la surface affluent maintenant des fous à pieds bleus, tentés eux aussi d'aller piocher dans cette masse mouvante.
Après repérage de la cible, il faut préparer l'attaque en piqué. S'élever d'une dizaine de mètres pour avoir la vitesse d'une torpille. Après un instant de débordade, on a resserré les rangs dans le régiment des Carangidés. L'instinct leur commande non de fuir, mais de se grouper pour se protéger. Chacun ne se sent en sécurité que s'il a un congénère à sa droite et un à sa gauche. Parfois, ils tentent une défense plus risquée. S'associer à un requin soyeux, coller au basque du prédateur le plus redouté pour éviter de se faire croquer. En se positionnant à l'arrière de la gueule, le long du corps, il reste quasiment impossible à saisir. Des thons jaunes sont venus en force pour participer au festin. Requins soyeux, thons et compagnie, cette cohorte de carnassiers fera bien vite disparaître ce qu'il reste du banc de Carangidés. Un service de nettoiement irréprochable. Sur l'immense page bleue du Pacifique figurent quelques pointillés de terre. Entre autres, la Nouvelle-Calédonie, une grande île de 500 km de long sur 50 de large que baignent les eaux d'un lagon turquoise. Il est protégé de l'océan par une barrière de corail sur laquelle viennent écumer les vagues du large. Autour de l'île principale, des centaines d'îlots disséminés dans le lagon. Et quel lagon ! Ces 24 000 km² en font le plus grand du monde. Un paradis exotique, certes, avec ses îles de rêve et ses jardins de corail, mais les plus beaux décors ont un envers. Dans les cités sous-marines, à longueur de temps, on s'entre-dévore. Partout où la vie foisonne, la mort est présente aussi. Le lagon fonctionne comme une sorte d'organisme géant qui produit des déchets. Que l'on soit mort ou seulement blessé, comme cette tortue zébrée d'égratignures, on n'échappe pas aux prédateurs et aux charognards. Ce sont eux qui nettoient le lagon. Toute créature qui n'est pas en pleine possession de ses moyens sera vite éliminée. Le lagon n'est pas parfaitement clos. L'eau de l'océan y pénètre à certains endroits par des passes, des brèches ouvertes dans cette immense barrière de corail. Les passes, où les eaux sont brassées par les vents et les courants, sont des carrefours grouillants de vie. Ce n'est donc pas un hasard si l'on y voit souvent patrouiller un des experts du service d'entretien du lagon, le requin corail. Le requin corail circule à son aise dans le récif à la recherche de proies faciles, comme celui de Jean, pris dans un vieux filet. Tout animal vivant dégage certaines ondes, ainsi qu'un champ électrique particulier. Et les requins ont dans le museau un réseau de terminaisons capable de détecter ce champ électrique, les ampoules de Lorenzini. Un champ d'un millionième de volt par centimètre carré suffit à stimuler ses électrorécepteurs et à guider le requin vers la victime. Ce requin gris de récif, qui a perçu lui aussi le vacarme vibratoire, semble tenter d'aller seconder les éboueurs déjà à l'œuvre.
Lui mesure plus de 2 mètres et pourtant, il n'arrivera pas à s'imposer dans cette opération d'assainissement. Il y a évidemment le risque de se prendre dans les mailles du filet. Danger réel pour les requins de haute mer, pas pour les corails. Leurs nombreuses petites dents en forme de poignard peuvent aussi bien sectionner que déchiqueter ou cisailler. De plus, elles se renouvellent régulièrement par rangées entières. Les requins corail peuvent compter sur un capital de 20 000 dents au cours de toute leur vie. En débarrassant le lagon des animaux blessés ou malades, les requins corail font un véritable travail écologique. De plus, ils luttent sans le savoir contre une terrible nuisance en mettant en pièces les filets perdus. Le lutte-jean qui attire depuis tout à l'heure les éboueurs à nageoires, sauvé par celui-là même qui voulait le dévorer? Lutte-jean englouti, secteur nettoyé, mission accomplie, grâce à l'électro-réception. Mais ce radar ne fonctionne qu'à courte distance. Et entre ces murailles de calcaire, les champs électriques ne circulent pas toujours très bien. Le requin doit se fier à ses autres sens. Celui-ci a repéré quelque chose. Une loche. Le maraudeur a perçu, grâce à son ouïe très fine, les vibrations qu'elle émet en nageant. Qu'un requin corail se mette à traquer un poisson dans une cavité et des dizaines de ses congénères en font autant. Tous bredouilles apparemment. Les proies sont trop bien enfoncées dans leur cachette. Mais rien ne presse. Un requin ne se nourrit qu'une fois tous les 2 jours et ses repas sont plus modestes qu'on ne l'imagine. Comme la plupart des poissons, les requins ne peuvent respirer qu'en nageant, sauf quelques espèces, comme le requin corail. Il pompe de l'eau en contractant simplement les muscles des valves qui obturent ses branchies. Avantage notoire, qui peut respirer sans bouger, peut chasser à l'affût. En un clin d'œil, les requins corail peuvent passer du calme plat au comble de l'excitation. La tension monte subitement dans ce groupe, comme lors d'une frénésie alimentaire. Il n'y a pourtant aucune proie en jeu. Serait-ce les prémices d'un festin cannibale? Nous assistons en fait à une scène d'amour. L'amour vache, dirait-on. Mais
Dépourvu de bras pour l'étreindre, le mâle est bien obligé de mordre sa partenaire pour la maintenir pendant l'accouplement. Le couple doit rester uni pendant 4 à 5 minutes, tout en évitant les autres mâles surexcités par l'intensité des mouvements désordonnés et les champs électriques que provoquent ces ébats. Pour mieux résister à la violence de l'accouplement, les femelles ont la peau du dos beaucoup plus épaisse que les mâles. Malgré cela, elles en gardent souvent des séquelles. Cette femelle est logée à la même enseigne que tout poisson agonisant. Elle dégage des effluves sanguinolentes, senties de loin par ceux qui maraudent dans la passe. Y compris le plus grand de tous les poissons, un pachyderme de 15 mètres. Géant, mais inoffensif. Le requin-baleine n'est qu'un brave aspirateur de plancton et de petits poissons qu'il engloutit par bancs entiers en filtrant de l'eau par ses branchies. Ses dents innombrables mais minuscules ne sont pas du tout fonctionnelles. Ce n'est donc pas lui qui débarrassera le lagon de la femelle requin à l'agonie. Particules de sang, vibrations, radiations électriques, les signaux révélateurs continuent de se propager. Message décodé par ce requin pointe blanche dit Albi, deux fois plus gros qu'un requin corail. Dévorant aussi furieusement la femelle estropiée, l'albi fait des envieux. Des requins gris de récif, toujours prêts à céder à la frénésie. Tant d'agitation inquiète cette compagnie de dauphins turciopes et leurs petits qui arrivent du large. Un requin albi ou tout autre prédateur de cette taille est une menace pour les jeunes turciopes. Il faut sans plus tarder le renvoyer dans les profondeurs où il séjourne habituellement. Les dauphins vont s'y employer en se relayant pour aller respirer à la surface. Leur tactique, décrire des spirales autour du requin pour l'obliger à descendre. En canalisant les déplacements de l'albi, les dauphins l'éloignent peu à peu des femelles. Quatre contre un,
puis 5 contre 1. Le requin capitule. À la surface, on semble célébrer cette victoire. Maintenant, la passe est libre pour les dauphins nomades qui voulaient aller folâtrer dans le lagon. On ne compte pas les îlots de sable éparpillés dans la lagune. Certains portent d'étranges empreintes. Celles des tortues vertes qui viennent ici chaque année au début de l'été austral. Après un voyage qui, à en juger par ses cicatrices, n'a rien d'une paisible croisière. Elles séjournent dans le lagon pour accomplir un rituel précis. Rencontrer un mâle, s'accoupler et pondre. Il en est ainsi depuis 15 millions d'années. Et, depuis 15 millions d'années, le requin pointe noire inscrit lui aussi ce rendez-vous à son agenda. C'est un des rares requins capables de nager dans si peu d'eau. Après un long périple dans le Pacifique, chaque femelle revient sur son île natale, sans jamais se tromper. Si les requins ont de l'eau jusqu'à la pointe des ailerons, c'est qu'à marée haute, les vagues franchissent cette barrière de coraux morts, formant entre la plage et le lagon une piscine naturelle. Pour déposer leurs œufs hors d'atteinte des marées de cyclones, les tortues doivent gagner le centre de l'île, c'est-à-dire traîner leurs 150 kilos sur plus d'un kilomètre. La même scène se déroule sans doute sur tous les îlots du lagon. Des pointes noires aux aguets dans ces bassins, tandis que les tortues s'épuisent à la tâche. Il faut qu'elles aient creusé un trou et pondu une centaine d'œufs avant de repartir avec la prochaine marée. Ce serait chose facile si elles avaient l'habileté des crabes violonistes qui chaque soir aménagent leur abri. La nuit tombe, mais les requins ne relâchent pas pour autant leur vigilance. Ni les pointes noires dans le lagon, ni les grilles de récifs au large. Certaines tortues achèvent enfin de pondre leurs œufs. Ils incuberont sous le sable pendant 2 mois, dans une température constante et à l'abri des prédateurs. Les premières tortues ont quitté leurs îlots dès l'aube, à marée haute. Les retardataires, en revanche, ne sont pas tirés d'affaire. La mer est descendue de 2 mètres. Elle se retrouve au pied du mur. Celle-ci n'a pas survécu à l'épreuve. De la carcasse emportée peu après par la marée montante, se détachent des particules de chair dont l'odeur envahit le courant. C'est le fumet qu'attendaient les requins gris de récif. Après ce traitement de choc, la carcasse est livrée aux ateliers de finition et à leurs ouvriers bien équipés.
Pour un squelette aussi appétissant, les Bernard l'ermite sont toujours prêts à sortir de leur réserve. Au milieu de l'été austral, la grande île de Nouvelle-Calédonie subit une forte sécheresse. La côte sous le vent, qui reçoit peu de précipitations, est la plus touchée. À tel point que bon nombre des 100 000 cerfs sauvages de l'île sont obligés d'aller voir ailleurs s'il n'y aurait pas des pâturages encore verts. Parvenus sur le littoral, certains hésitent un peu, puis se jettent à l'eau. On en a vu parfois traverser des baies de plusieurs kilomètres de large pour aller jusqu'à une île chercher de quoi brouter. Longues pattes et sabots fins, une morphologie bien adaptée à la course, mais pas à la nage. Heureusement que leurs panses leur assurent une certaine flottabilité. En reproduisant simplement leur mode de locomotion terrestre, ils arrivent à maintenir sur de longues distances une assez bonne vitesse. Voici leur Eldorado, un îlot boisé où se cachent des clairières verdoyantes. La végétation est alimentée en eau douce par une nappe souterraine que retient le socle calcaire. Plusieurs fois par semaine au cours de l'été, de nouveaux Ulysses s'embarquent pour ces paradis lointains et arrivent à destination exténués. Quelques-uns meurent avant même d'avoir mis pied à terre. Du travail en perspective pour les éboueurs du lagon. Ils ne les ratent jamais. Leur odorat est plus sensible au sang de mammifères qu'à tout autre. Une partie d'hémoglobine diluée dans 100 millions de parties d'eau leur suffit pour localiser la victime. Revenons à nos tortues. Sur les îles de sable, les dernières regagnent le large à marée haute. C'est aussi le moment où éclosent les œufs pondus il y a 2 mois. Tous ces bébés tortues sont programmés pour aller droit au bain.
La plage porte encore les sillons tracés par leur mère. Ce sont les derniers mètres à parcourir. C'est déjà bien d'arriver là, saine et sauve. Mais pour accéder au large, il faut encore traverser la piscine. Dans si peu d'eau, le requin pointe noire ne peut compter que sur sa vue qu'il a, on le sait, très mauvaise. Et comme en plus, il est assez loin à la détente, il se fait coiffer dans la course à la tortue par un autre prédateur d'une efficacité redoutable. La carangue à grosse tête, opportuniste, nerveuse et vorace. Elle peut peser jusqu'à 80 kg et mesurer 1,50 m. À taille égale, elle est plus puissante et plus rapide que tout autre poisson, y compris le requin. Démonstration. Quelques minutes, cette carangue à grosse tête a fait à elle seule un carnage. Deux requins, myopes et balourds, ne peuvent pas égaler cet exploit. Ayant échappé aux prédateurs de la piscine, on peut se croire hors de danger. C'est compté sans les chasseurs de haut vol, les sternes. Sur une centaine d'œufs pondus, une ou deux tortues seulement atteindront l'âge adulte. Dans 15 ans, elles reviendront ici s'accoupler et pondre. Et les opportunistes ne manqueront pas le rendez-vous. Le lagon reçoit aussi des visiteurs inattendus. Ce géant de 20 mètres est le plus grand animal que la Terre ait jamais porté, la baleine bleue. À cette période de l'année, les baleines bleues se nourrissent de krill en Antarctique.
Mais ce mâle égaré va passer, on ne sait pourquoi, dans une des brèches du récif et se retrouver coincé dans le lagon. À ses vergetures, on voit qu'il est déjà très amaigri. Il lui faut 3 tonnes de krill par jour et il n'en trouvera pas un gramme dans le lagon. Il sera bientôt à bout de souffle. Un corps de 18 tonnes en mouvement produit quantité d'ondes sonores à basse fréquence. L'oreille interne d'un requin-tigre les détecte à plusieurs kilomètres. Le manège inhabituel et incessant de ce monstre, obligé de nager en cercle dans une baie confinée, n'échappe pas au vautour des mers. Prélevant d'énormes quartiers de viande sur la malheureuse baleine, ce requin-tigre lui a donné à lui seul le coup de grâce. Elle a succombé à ses multiples hémorragies. Le tigre, le plus opportuniste des requins, s'est régalé de cette viande rouge qu'il a si rarement l'occasion de consommer. Poussant au maximum sa capacité gastrique, il a englouti 10% de son propre poids. Une semaine plus tard, la carcasse de la baleine en décomposition laisse échapper une gigantesque nappe de graisse odorante que les requins-tigres du lagon remontent comme des chiens de chasse suivant une piste. Priorité à la famille, comme toujours. Pas question pour les requins-tigres de laisser d'autres squales s'approcher d'un pareil trésor de protéines. Seuls les ramasse-miettes, comme ces rémoras, sont tolérés.
des dizaines de requins-tigres se seront acharnés sur cette carcasse jour et nuit. En une semaine, ces 18 tonnes de déchets organiques auront disparu. Par ses passes, le lagon éjectera vers le large le squelette et les bribes de chair qu'il porte encore. Commencera alors le nettoyage fin, celui qui achève de réduire à néant toute forme de vie. Il aura lieu dans les abysses. % de la masse de l'océan Pacifique se trouve à plus de 1000 mètres de profondeur. Un monde inhospitalier où officient les nettoyeurs de l'ombre. Dans le noir, dans le froid et par des pressions colossales, ces aliens attendent que la nourriture descende de la surface. Un univers sans soleil où la vie existe pourtant, grâce aux sources hydrothermales sous-marines. L'eau s'introduit dans les cheminées et s'enrichit de métaux et d'éléments chimiques qui seraient toxiques dans tout autre milieu. Des bactéries en vivent et forment le premier maillon de la chaîne alimentaire de cet écosystème qui n'a nul besoin du soleil. S'associent à ces bactéries des pogonophores. Des vers dénués de bouche, de tubes digestifs et d'anus. Tout passe par ces plumes rouges, leurs branchies. Nous sommes à 3000 mètres de fond. À cause de la pression trop forte, l'eau ne peut pas bouillir, mais autour des sources actives, elle atteint 350 degrés. Ce qui n'empêche pas ces crevettes aveugles de s'y agglutiner pour brouter des minéraux et des bactéries. Ailleurs, notamment au pied du lagon de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a rien. La vie dans ces déserts abyssaux dépend principalement de ce qui peut tomber de la surface. On y voit dériver quantité de fantômes indolents, comme les poulpes à oreilles. Dans les grands fonds, les arrivages massifs sont rares, mais ils font beaucoup de profit. Une providentielle carcasse de baleine fera le régal de ces crabes géants pendant plusieurs années. Difficile de se faire remarquer dans ce monde obscur, à moins de posséder, comme certains calmars, des organes lumineux. Ils s'en servent pour appâter des proies ou séduire des partenaires sexuels. Mais c'est un outil à double tranchant. Ces cellules luminescentes sont vues aussi par les prédateurs. Cette araignée a trouvé là de quoi se rassasier pour plusieurs semaines. Mais tout le monde n'a pas la chance de rencontrer un calmar qui brille de tous ses feux. Rechercher des matières organiques mortes ou vivantes dans l'obscurité n'est pas un problème pour le requin savate. Ses cavités nasales sont tapissées de cellules sensorielles. Chacun fait selon ses moyens. On peut aussi, comme ce poisson tripode, attendre sur place d'être livré par les courants. Ou filtrer les particules, ce que font avec élégance les concombres nageurs. Et plus sobrement, les crinoïdes. Le poulpe à oreilles, lui, a des cils sensoriels qui le renseignent sur la composition des remous. À l'origine de cet arrivage de microscopiques déchets, un mets que l'on trouve rarement dans les abysses, une baleine morte. Déjà à l'œuvre, des myxines, des fossiles vivants, apparus il y a plus de 500 millions d'années, bien avant tous les autres poissons. Essentiellement détritivores, ces vertébrés aveugles n'ont ni squelette, ni écailles, ni même de bouche. Leurs seuls outils, un cercle de dents externes et un odorat très développé.
Mais ces insatiables pillards, fussent-ils plusieurs milliers, n'égaleront jamais l'efficacité du charognard géant qui sévit dans les profondeurs, le lémargue dormeur. C'est un des plus grands poissons des abysses, 7 mètres de long et 2 tonnes. Lymphatique, mais exceptionnel comme éboueur. Il doit engloutir des dizaines de kilos de charogne pour se remplir l'estomac. Il arrive bien sûr que des cadavres de requins du lagon descendent jusque dans les abysses. À tout seigneur, tout honneur, ils seront dévorés par des crustacés portant le nom d'une divinité marine. Des galatées. Une fin tout à fait digne de ces pygmalions du nettoiement. Des eaux bleues du lagon aux noirceurs abyssales, il n'y a décidément pas une faille dans ce service d'entretien.